Ça cuit, ça cuit, ça cuit. J'ai vu le message, j'ai vu. J'ai vu le message, ça cuit, ça cuit. Ça cuit, ça cuit. Ça cuit, oh, ça cuit. Venez, 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 ça cuit. Ça cuit. Ça cuit. On avait dit un buzz par jour. On n'avait pas dit 50 buzz par jour. Ballon d'or. On avait dit un buzz par jour. Un buzz par jour. Ouais, Seigneur, papa est ok, tu. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Ça cuit. Mais ça cuit. Ça cuit. Aujourd'hui seulement, on a eu ça. Ça cuit, ça cuit, ça cuit! Ça cuit! Ça cuit! Et toi, ça cuit, ça cuit, mettez le cœur! Ne me touchez pas! Bon, je vais vous montrer. Eto vient de nommer un nouveau staff. Eto, voilà, ceux qui signalent le direct là, le live se coupe, je vous bloque à vie. Je disais donc que Samuel Eto vient de nommer un nouveau staff. Voilà donc. Bon, on va d'abord faire du Daddy Show. Allons d'abord en comédie. Si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Je vous dis donc que le... Faites de sortir. Mettez-le dehors. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi m'a le demandé. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Vous êtes le deuxième mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Moi, je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, M.
monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le... Tabarlouche, vous êtes en train de signaler le direct, je n'ai même pas encore dit un mot. Je dis encore vos mots d'hier matin, midi, soir. Alors, on a une exclusivité. La FECAFOOT vient de nommer un nouveau staff. Il vient de démettre des fonctions, monsieur Marc Brice. Donc, j'ai mis la vidéo pour montrer le début de l'histoire. L'histoire s'est produite ce matin. Il y avait une réunion qui était... qui convient le sélectionneur, ses adjoints. Monsieur Tungu Pile, elle les a accompagnés et ça fait problème. Il y a eu un incident et Samuel Eto'o a dit qu'il allait convoquer son comité exécutif. Dans l'après-midi, le ministre a annoncé que demain, il y a une réunion de préparation des matchs contre le Cap-Vert. Et l'autre équipe, c'est même quoi? Je sais plus. L'Angola, je sais plus. Donc, le ministre a programmé une réunion demain à 14h. Et toi, fais une réunion aujourd'hui. Et on nous annonce que la FECAFOOT a exclu monsieur Marc Brice et son staff. Ils ne sont plus sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà pourquoi je refais ce live. Pour que chacun de vous viennent sur le panel donner son avis. C'est tout. Je ne fais pas le live pour gagner les étoiles ou pour gagner l'argent. Donc vous qui signalez les directs, sans chercher même à savoir pourquoi on a lancé le direct, je dis encore, vos mots d'hier, matin, midi, soir, si vous n'êtes pas d'accord avec un direct, vous passez. Si vous voulez écouter au moins le direct, mettez les cœurs, partagez le direct et on va se parler. Donc, je vous laisse avec le dit. Je vous laisse 30 secondes pour partager, s'il vous plaît. Partageons le direct et mettons les cœurs. Et je vais vous lire le communiqué officiel de la FECAFOOT. La réunion s'est terminée il y a 30 minutes. Le communiqué a directement été balancé sur la page de la FECAFOOT pendant qu'ils étaient encore en réunion. La réunion vient de s'achever. Et le nouveau sélectionneur s'appelle monsieur Tungu Pile. Ça veut dire que la bagarre qu'on a annoncée le matin a commencé. La vraie bagarre a commencé. Maintenant, je veux avoir les arguments de chaque partie. Venez parler, on se parle. Mais les gens sont en train de signaler le direct. Non, mais c'est pas sérieux. Moi, je travaille pas à la FECAFOOT. Ça va pas me payer mon salaire. Mais je veux qu'on puisse se parler, que chacun puisse donner son avis. Que chacun guide son avis et ça devient la bagarre. Et les gens viennent signaler la page. C'est pas sérieux. Donc, on se laisse 30 secondes, les amis. Le temps de partager. Papa Eto'o a frappé fort. Bon, Papa Eto'o, on va lire le communiqué. Moi, la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Papa Eto'o, la FECAFOOT. Hey, c'est la FECAFOOT. Bon, tout a commencé ce matin. Tout a commencé ce matin. Voilà ce qu'il dit à Marc Brice. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi m'a le demandé. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Vous êtes le deux, moi que je suis ici.
Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. La partie là, vous l'avez pas entendu, hein. Et le coach dit, c'est moi qui décide à la fin en tant que coach. Et il lui dit, non. Vous ne le décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord ? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur ? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun ? Jamais entre nous. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Très Félicitations. Merci. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Directeur, convoquez mon bureau. Bon, les amis, vous avez écouté. Donc, le matin, on savait que il y a réunion du comité exécutif et que à la fin, le coach devait être viré. Tout à l'heure, au journal de 20h, le ministère a encore confirmé que Marc Brice reste et demeure le coach de l'équipe des Lions Indomptables. Et la question que je vous pose ce soir, les amis, qui? Le gars à l'Emimbang. Voilà, Toleka. Quand on croit que c'est fini, ça reprend. Toleka. La musique a commencé. C'est maintenant que le film là est bon à moi jusqu'à... Je vous avais dit ici que j'attendais la bagarre. La bagarre est venue me trouver sur place. Sur place! Donc, les amis, Clouaman qui parlait le matin là, et tous les autres, venez nous dire que vous inspire c'est même pas une mise à pied. Parce que Ntongo Pile devient entraîneur par intérim. C'est bien marqué que Ntongo Pile va assurer l'intérim. Mais nous savons tous, je dis donc, depuis le matin, j'ai dit que je prends mes pop-corn. Vous vous êtes moqué de moi. Vous êtes venu m'insulter dans mon direct. Je vous ai dit que l'affaire est en train de tourner en Kazakh. Vous avez ri. À midi, j'ai fait un live. Je vous ai dit que l'affaire si venez parler. Vous êtes moqué de moi. Maintenant, Eto'o Fils mène 2-1. Que va dire Paul Biya demain? La colline qui monte, c'est la même qui descend. Julio, tu voulais parler tout à l'heure. Prends la parole. Voilà, je t'ajoute. Toleka. Le film là est bon à moi jusqu'à... Vous ne pouvez pas comprendre. Depuis le 10 ans, on sent qu'on veut la bagarre. Vous n'avez pas compris. Je dis, si je fais des reproches à Eto'o, ça ne veut pas dire que je soutiens moi les combis. Il faut que ce soit clair. J'ai dit depuis le début que si ça ne dépendait que de moi, Eto'o nommait José Mourinho. Et il faisait la bagarre si depuis avril. Donc il a traîné. À un moment donné, je me suis découragé. Il allait enterrer le papa, il est revenu, il est resté calme, il a voyagé. Je me suis dit que le petit frère Zahé, que le petit frère a baissé les bras, que Aka, ce sont les enfants de papa et de maman. Mais le petit frère vient de me donner une gifle. Zang! Pas les cas, Samuel Eto'o. Hey! Zang! Il a mis Marc Brice dehors. Donc, le coach Marc Brice et toute son équipe est viré. Partagez le direct et je m'en vais vous dire le contenu du communiqué. Je vous lis le communiqué qui vient de sortir. Tout de suite, c'est chaud. C'est-à-dire que ça chauffe encore. Quand
dans le coquille de la marmite, là, ça brûle encore jusqu'à ce que, quand tu prends, ça fait comme ça. Le gars, appelez les gens, ça cuit. 2-1 pour l'église. L'église amène les hiboux 2-1. Nous, on est au carrefour, on applaudit. Bonsoir, 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 mon ami. Bonsoir, bonsoir. Le film est si bon à toi comme moi. Bonsoir. 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 On avait d'abord l'autre qui est monté. Je ne sais pas comment il s'appelle. On a Oncle Cafo qui vient de monter, mais avant, il y a l'autre qui est monté. Est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la question, mon cher? Steve. Steve. On t'entend pas, Steve. Bonsoir à tous, bonsoir. Merci de partager le direct pour que les gens ne coupent pas. Parce qu'il y a les Églisiens, il y a les hiboux. Il y en a qui veulent couper le direct, pardon. Bonsoir Félix, est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend, mais tu es loin, enlève les écouteurs. Ah oui, ok, d'accord, je vais l'enlever. Enlève les écouteurs, s'il vous plaît. Quand la Belgique et, quand la Belgique et l'Espagne se battent comme ça, là, l'Espagne vient de marquer un but à la Belgique. Mais tout ça se passe au Cameroun. Oh les cas! Tous les cas! Alors. Non, le match est intéressant. Mais, tu es loin, on ne t'entend pas bien. Règle d'abord, Oncle Cafo, bonsoir. Bonsoir. Que t'inspire le déroulement bonsoir, de ces événements? C'est chaud. C'est chaud. Règle tes écouteurs. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? On dirait que vous êtes très très loin. Non. C'est allô, bon à moi jusqu'à. Les... Mais, allô? Oui. Mais le match, c'est là. Je ne sais vous pas êtes loin si tous les match... deux. Ou bien c'est moi qui ne comprends plus bien. Peut-être que toi, moi, je n'ai pas les écouteurs. Ok, allez-y, bon. Ok, Steve. Steve. Ok, Steve Will, d'accord, je vais regarder tes IB. Allô, bonsoir à tous, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Toi, les cas. Toi, les cas. Quand on dit toi, les cas, tu réponds quoi? Tu m'entends bien, Félix? On t'entend très bien. Vas-y, vas-y. Voilà, Félix. D'accord, grand maître, merci, merci, j'ai compris. Je vais commencer par dire que cette affaire-ci est très, très bon à moi, comme on dit souvent. Cette affaire est très sucrée à moi parce que, en fait, ça tombe net où je voulais vraiment que ça arrive. Merci. C'est-à-dire que, mais sauf que je suis un peu dépassé. J'ai comme l'impression qu'ils vont toujours continuer le fanfaronnage qu'ils ont eu à commencer depuis. On te dit d'abord que on ne doit pas accepter Marbrice. Après un moment, on te dit qu'on va, on l'a accepté. Après un moment, on te dit qu'on l'a suspendu. Et après, on dit qu'on l'a convoqué. Donc, je crains qu'ils ne fassent encore ce fanfaronnage là encore. Parce que moi, je souhaite qu'ils puissent aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au lieu même de dire intérim, qu'ils disent que c'est l'entraîneur une fois, on quitte là-dessus. C'est-à-dire que, au lieu de dire que ça c'est le coach par intérim, qu'ils nous disent que, en fait, c'est l'entraîneur. Là, on comprend tout simplement. Ça, c'est pour intervenir chaud, chaud sur la nomination de ce soir. Bon, maintenant, concernant les événements de ce matin, vraiment, soyons un peu posés pour comprendre. Il y a d'abord un contentieux qu'il faut vider. Le contentieux, c'est quoi? C'est que le ministère des Sports et la FECAFOOT doivent s'asseoir d'abord et décider du staff, décider de faire un consensus et le ministère des Sports doit donc mettre à disposition le staff ou bien Marc Brice à la disposition de la FECAFOOT. D'abord, ça c'est d'un. Donc cette première partie-là a été bypassé. Du coup, même la convocation de ce matin doit toujours faire poser problème. Ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas de consensus. Okay. Quand on me demande, s'il vous plaît, quand on me demande donc... Une seconde, Adolphe Biya, je n'arrive pas à t'ajouter. On me dit que cette personne n'a pas pu ajouter raison des difficultés techniques. Adolphe, si tu peux changer de téléphone ou bien tu sors, tu reviens.
J'arrive pas à t'ajouter. Ah, vas-y, on t'écoute. On me demande donc que Tolo vient faire quoi à la FECAFOOT. Mais je dirais tout simplement que il y a un Marc Brice n'est pas encore détaché. Son cordon ombilical est encore entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Donc, il ne s'est pas encore détaché. Il faut normalement une réunion, un consensus d'abord pour pouvoir le libérer afin qu'il prenne, afin qu'il l'embrasse officiellement complètement la fonction. Okay. Fonction. Mais il n'y a pas eu de ça. Du coup, qui ne vous dit pas que Tolo venait comme ça, en fait, délégué, commençait à faire pour un début, il ne venait pas pour un début de consensus. Qui ne vous dit pas que c'était ça le cas? Mais très vite, on a très vite fait de tomber dans le piège et de le renvoyer. D'abord, il faut rappeler que le matin, ils sont arrivés, on les a empêchés d'entrer, encore à la guérite. C'est-à-dire qu'ils sont encore à la guérite, on les empêche d'entrer. Ça crée déjà les tensions. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Maintenant, la suite, ce qui s'est passé à l'intérieur, ce n'est que la conséquence. On dirait que chacun était là ce matin, préparé au chaud. Préparé au chaud. Vous voyez, quand ils parviennent donc à entrer, quand ils parviennent donc à entrer, parce que dans ton premier live tout à l'heure, tu as demandé qui a la responsabilité. Tu voulais savoir qui a tort, qui a raison. Tout à fait. Et suivez bien le décryptage de la vidéo. On a Tolo qui, on l'empêche d'entrer. Qui est représentant du ministre, hein? Oui, qui est représentant du ministre en ce moment-là? Oui. Bon, maintenant, on l'empêche premier d'entrer. Conseil ou les techniques nommés par le président. Et conseiller technique en même temps. Qui ne vous dit pas que Tolo venait comme ça avec un message du ministre pour même accepter votre staff? Qui ne vous dit pas ça? Mais vous avez très vite fait de le rejeter. Et regarde. Ah. Quand... Ce n'est pas moi. Hein. Il y a quelqu'un qui a demandé à monter là, une dame. J'ai essayé, ça n'a pas pris. S'il vous plaît, relancez la demande. Merci. Lorsque Samuel Eto'o descend, il se salue. Regardez les gestes, vous qui décryptez, comme vous qui décryptez souvent les gestes là. Samuel Eto'o, on dirait qu'il descend étant déjà chaud. La façon dont il salue, regardez un peu. On appelle ça quoi là? Regardez un peu la gestuelle. Il salue, il entre. Okay. Oui, voilà. Il entre, il secoue la main. Je ne sais pas qui secoue la main de l'autre, mais la main se secoue, les yeux sont fixés. Il y a déjà influence, intimidation. Donc, on a l'impression que Samuel Eto'o venait là, il avait même peur, mais il fallait surpasser sa peur en intimidant. Bon, maintenant. Très vite, le tombe dans le piège. Attaqué, hein, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît, c'est mauvais. Le gars donc dit que je porte un message du ministre. Au lieu tout simplement de dire que, OK, voilà, asseyons-nous, tu me donnes donc ce message. Quitte à ce que ce message ne me convient pas, et je te renvoie, je te dis que ce message ne me convient pas tout court, et c'est tout. Mais quand vous commencez donc, avec la violence, comme on a vu ce matin, ça fait que ça ternit d'abord l'image du Cameroun et il devient déséquilibré, il perd la raison en ce moment-là. On va maintenant jusqu'à l'intérieur, on rencontre Marc Brice. Il salue toujours Marc Brice avec cet air-là, donc d'intimidation. Regardez bien les gestes. C'est-à-dire qu'il l'intimide, il cherche à rabaisser l'homme en fait. Ça se fait, c'est une bonne communication. Il cherche à rabaisser l'homme. Bon, ayant déjà ce climat de tension le matin, vous pensez que la suite devait être quoi? Même si on laissait faire la réunion avec Marc Brice, la suite devrait être quoi? Bon, regardez maintenant, pas la suite. Marc Brice, c'est pas Marc Brice qui l'a attaqué. Comme les gens sont en train de vouloir transformer ça en panafricanisme, machin, manipuler les gens, et c'est très dangereux ce que les gens sont en train de faire. Et c'est ça donc que Samuel Eto'o voulait montrer qu'il domine le blanc. Voilà, c'est en fait ça. Il veut montrer que non, il domine le blanc. Bon, on va donner la parole également à l'autre hein, pour qu'il puisse intervenir. Oui. On te revient plus tard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Capo, oui. Non, c'est moi, c'est Julio. Comment tu vas? Julio, oui, on t'écoute. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Le rythme est très bon. Oui, vraiment, la température est bonne à moi jusqu'à... Je peux chuter d'abord sur la forme avant que Julio prenne. Descendre. Non, je dis que...
je chute sur la forme. La forme. Attends, on va revenir, t'inquiète. C'est pour... Allô, c'est juste parce qu'il y a... Oui, allô, bonsoir, madame. Oui, bon... Vous êtes la première dame, donc honneur aux femmes. Bon... Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'on vous inspire de... l'ambiance. Il y a trop de bruit. Là, vous m'entendez? Yes, je vous entends très bien, mais il y a trop de bruit. Vous pouvez me laisser parler? Allez-y. Si on vous entend, madame, allez-y. C'est ça. Oui, je m'appelle Solange Camou. J'appelle depuis les États-Unis. Là, depuis le matin, je suis tellement fière. Oui, je suis tellement fière de ce que Eto'o a fait. Et je veux parler aux Camerounais que vraiment, nous sommes les Camerounais. Ou Bamileke, ou Eton, ou n'importe qui, déjà qu'un blanc vient déjà dans notre continent nous simplifier. On doit être seulement des personnes, pas question de dire que parce que Eto'o a fait ça, parce que Eto'o a mangé l'argent de ses cafoutes. Non! Depuis les 1900, on ne voit plus ça dans notre pays. Déjà qui parlent de Eto'o, Eto'o a manqué du respect. Eto'o était dehors pour jouer. Et les gens l'ont ridiculisé. Les gens lui appelaient singe. Vous pensez que Eto'o va venir encore au Cameroun? Et un étranger vient se présenter pour commander Eto'o avec le ministre derrière, mon frère. Mais ça, c'est quoi? Il faut dire au Cameroun qu'il est en train de dire que Eto'o est comme ça, Eto'o est gonflant. Si c'était moi à la place d'Eto'o, j'aurais même dû gifler ce monsieur-là. Attention, quand même. Ce n'est pas parce que nous sommes les Noirs. Vous allez m'excuser, je suis très tensionnée, mais je suis fière d'Eto'o. Ah bon? Je vous laisse. C'est tout ce que je voulais merci beaucoup, parler. Madame. Je suis fière de vous. Quand même. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes fiers de vous. Je vous remercie, Félix. Oui, on va laisser chacun parler, ne vous en faites pas. Ici, c'est moi. Tout le monde a droit à la parole. Églisien comme on ne veut pas se cacher. On ne veut plus ça. On a déjà viré ça à une histoire de race. On a déjà viré ça à une histoire. Attends, mon frère. Julio, il y a Julio qui a remonté là. Il n'a pas encore parlé. Bonsoir, madame. Oui, ce que moi je voulais dire, c'est que c'est vraiment intéressant, quoi. C'est-à-dire que, comme disent les Américains, it is an exciting moment. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai comme l'impression qu'il faudrait revenir un peu sur l'analyse de la loi des engagements qu'ils ont signés en 2015. Comment vous appelez ça? La convention. La convention. Permettez-moi de rappeler, il y a un auditeur qui a fait la demande, mais ça n'a pas pris. Je m'excuse là. Donc, je vais vous demander de refaire la demande. Oui. Bonsoir, madame. Flore Gaël, acceptez la demande. Elle aussi, ça ne marche pas. Ça dit problème technique. Quand ça signale problème technique, partagez le direct, vous sortez et vous revenez. Flore Gaël, ça n'a pas pris non plus. Donnez-moi un instant. Il y a Guy Michel Guy et il y a Bipé Emmanuel. Donc, je lis les noms pour que vous sachiez que je valide toutes les demandes. Je ne veux pas savoir si vous êtes églisien ou bien si vous êtes hibou. Ici, chez moi, tout le monde a la parole. Nous sommes tous Camerounais et que chacun s'exprime. Oh, Yenga, Yenga, oh, let's go. Oui, ce que je voulais dire, c'est que... Il faut revoir. On va vous entendre deux fois. Il faut couper le récepteur à côté. Merci. J'essaie de me connecter quelque part. Je vais brancher le téléphone. Non, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est monté là. Coupez le micro, s'il vous plaît. Merci. Je crois que c'est Guy Michel. Oui, Guy Michel, s'il vous plaît. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut revoir là. Oui. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que Eto'o est assez outillé et il est assez encadré par des avocats. Ok. Ce que je ne comprends pas, j'ai comme l'impression que Eto'o est en train de dire que la convention a été signée en 2015 pendant
un moment transitoire là, de la FECAFOOT. C'est-à-dire que quoi, pendant le moment transitoire, il y a un certain nombre de choses que la FECAFOOT ne peut pas prendre au nom de la FECAFOOT. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Elle ne pouvait pas signer des engagements, c'est-à-dire que c'était la transition. Or, la transition, c'est un moment qui est provisoire. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas engager la FECAFOOT sur un long terme. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait qu'engager la FECAFOOT sur la période pendant laquelle elle était éligible. Vous parlez de qui ça, en fait? Je parle de la transition. Ok. La transition de 2015. D'accord. C'était Joseph Ouna qui était là. C'est-à-dire que quoi? J'ai comme l'impression que les experts en droit qui sont en train de... pas très bien. Il y a du bruit en arrière. Oui, qui parle? C'est Guy Michel ou c'est Julio? Non, c'est Guy Michel. Je crois que c'est Guy Michel. Ok, donc, attends, essaye un peu de refaire la demande, pardon, il y a de gros bruits derrière. Essaye de refaire la demande, s'il te plaît. Allô, bonjour à Bipé Emmanuel que je suis en train de prendre. J'essaie de prendre. C'est un autre, c'est celui-ci. Oui, oui, c'est celui-là. Ok, Julio, on vous écoute. On vous écoute, Julio. Je veux dire que j'ai comme l'impression que les avocats... J'ai perdu Guy Michel. Guy Michel, s'il te plaît, si tu m'écoutes, refais la demande. Julio, en 30 secondes, s'il te plaît. Comme ça, je prends si c'est d'autres. Oui, je voulais dire que j'ai comme l'impression que les avocats de Samuel Eto'o lui ont dit que la convention, c'était un moment provisoire. Ça dit que quoi? Ça dit que comme la convention... Est-ce que les autres peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? Les autres, est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Ça grisonne derrière. Voilà, c'était lui. C'était lui, celui qui est dans la voiture là, c'était lui. Oui, je voulais dire que j'ai comme l'impression que les avocats d'Eto'o lui ont dit que non, pendant que la transition, c'était un moment transitoire de la FECAFOOT. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la convention qu'on avait signée, c'était seulement pendant la période de la transition de la FECAFOOT. Tout à fait. Donc ça ne pouvait pas aller au-delà de la... à partir du moment où on devait élire un président de la FECAFOOT. Parce que là, nous n'oublions pas que la transition avait été, c'était une nomination. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus dans le même contexte. Ici, maintenant, Eto'o vient de nommer un nouveau coach qui sera sur le banc des Lions Indomptables le 8 juin prochain. Est-ce que ce coach est légal ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec Eto'o, oui ou non? Moi, je suis d'accord avec Eto'o. Moi, je suis complètement d'accord avec Eto'o. Parce que la transition était un moment provisoire. Ça veut dire que l'agrément que la FECAFOOT transitoire avait signé avec le ministère, c'était seulement pour pendant la transition. Ce n'était pas pendant toute la durée de la FECAFOOT. Très bien. C'est ce que moi je suis en train de comprendre. Merci Julio. Julio. Oui. Merci pour ton avis. On va donner la parole aussi à Bipé. Merci à toi. Merci. Je te reprends dès que possible. Oh. Allô. Ok. Bonsoir Félix Emmanuel. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je voulais avoir monté le live dans la. Ok, je vous fais écouter la réaction de Malox. Le coquin qui est à côté. Oui. Je l'ai déjà écouté. Le coquin qui est à côté dans la banque, vous dansez. Le coquin du pays, j'ai appuyé à un côté. Je vous fais écouter la réaction de Malox. Le côté qui est cuit, c'est gâte, ça se brûle. C'est une descente, ça, du feu. Le côté qui n'est pas cuit, gâte, le côté qui est cuit. Le coquin a cuit à un côté. On a pris un gars de départ. Cette réaction. On ne sait même pas s'il vendait les pièces détachées là-bas en Belgique. Il arrive ici. Il se met à la télé nationale devant 20 millions de Camerounais. Il dit que, allez dire à Eto'o que je ne suis pas déjà à courir derrière les gens. Nous, on tolère ça. Aujourd'hui, on le convoque. Il vient avec ses gens. On lui dit que c'est la réunion, c'est privé. Les gens ne vont pas Djoum. Il dit qu'ils vont Djoum. Oh, sinon, il go. Djoum. Hey. Hey. Le
vraiment qu'un côté. Bon. On dit que... C'est ça. Alors, monsieur Emmanuel Bipé, que vous inspire dans la situation à l'Africa Foot aujourd'hui et au niveau des Lions indomptables? Comme je disais. Nous, on veut la cham. Ainsi, ma fille, tu as compris. Comme je disais tantôt, je vais monter au live avant que tu n'aies arrêté le premier live. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que Eto'o est dans son plein droit. D'accord. On se clair. Déjà, la première fois, le comité exécutif de l'Africa Foot a invité Marc Brice. Il n'est pas venu. Ça, c'est de un. De deux. Ok. Donner la liste des joueurs. Non, j'ai fini. Il a donné la liste de joueurs sans l'approbation de l'Africa Foot. Il a été invité pour une deuxième fois. Il est venu à l'Africa Foot. Monsieur, professeur Tolo est venu sans invitation. À l'Africa Foot, il a été reçu cette fois-là. La séance de travail, ils ont travaillé et puis, professeur Tolo a sorti un communiqué de ce qui s'est passé. Foot a sorti sa part. C'était un communiqué différent. Oui. Oui, Guimille. Michel, est-ce que tu peux couper ton micro? On a perdu Oncle Cafou. Si tu me descends, quoi, je vais me fâcher. Voilà ça. J'étais tout à l'heure que coupe ton micro. Il y avait les sons derrière. Je vais continuer mes propos avant de chuter. Oui, vas-y, continue, mon cher. Cette fois-ci, il a été convoqué. Déjà, avant qu'on le convoque, l'Africa Foot a accepté comme coach. La note a été prise, il a accepté comme coach. Il a convoqué son coach en tant qu'employé, en tant que son patron, de venir pour une séance de travail. Je ne comprends pas où le professeur Tolo est invité dans cette convocation. Non, pour rappel, c'est la troisième rencontre. Il est venu à l'Africa Foot avec monsieur Tolo. Il a laissé la liste. Il y avait une invitation. Il est venu. Monsieur Tolo n'était pas invité. Le coach était convoqué. Parce que j'aimerais qu'on fasse la différence entre une convocation et une invitation. Dans ce cas, dans l'administration, c'est un peu très différent. Bon. C'est ton employeur qui te convoque. On n'invite pas. Tu peux inviter ton employé, tu peux convoquer ton employé. Il était convoqué pour une séance de travail. C'est différent. Monsieur. Bon. Quelle différence vous faites entre invité pour une séance de travail et convoqué pour une séance de travail? Qu'est-ce qui est le plus. Convoqué pour une séance de travail, tu n'as pas le droit de. Une invitation, tu peux rejeter. Une invitation pour une séance de travail, tu peux rejeter, mais une convocation, tu ne peux pas rejeter. C'est une obligation. L'entraîneur est venu avec